Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à l'apéro sur un nouvel épisode de Starbound V4 Pleased Giraffe. Voilà, c'est marqué là. On y est, chers amis. Donc, nouvelle mise à jour qui est arrivée un petit peu de manière, on va dire, impromptue. Donc, dans la journée, j'ai dû revoir tout mon planning, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de ce début de journée, tout simplement. Donc, nouvelle aventure. Du coup, j'hésite entre reprendre ça. Je pense que je vais reprendre un Nova Kid. Au niveau de la couleur, j'avais beaucoup aimé le jaune. Donc celui-ci. Mais comme on l'a déjà fait, on va passer sur un autre. On va passer sur un... sur un bleu. Ouais, on va passer sur un bleu, tiens. Prendre une coupe sympa, cependant. Hop. L'un n'empêche pas l'autre, normalement. Prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Shirt color. On va prendre ça. Pants color, on va mettre un bien bleu. Voilà. Belly button, je ne me rappelle plus la marque. On va mettre... on avait mis un Omega la dernière fois, si je me trompe pas. Y'a pas l'Alpha? C'est tôt ça, non? On peut partir là-dessus. Ah! La position qu'elle est bien. Bon, Brand, on va mettre autre chose quand même au niveau de la marque. On va mettre un œil. On reprend un Omega, on va reprendre un Omega peut-être. On va mettre un œil, allez, tout simplement. Ici on met, du coup, chers amis, comme vous vous y attendez sûrement, Marcus Bonus V4. Au niveau du belly button, on va mettre un truc au pif. Et nous voilà partis. Donc vous voyez, j'ai pas d'autres personnages, j'ai supprimé tous les autres. On va bien voir ce que ça donne. Enfin, j'ai supprimé, non, j'ai fait une sauvegarde. Donc, première nouveauté déjà, les fenêtres sont colorées. Bon, c'est déjà ça. Donc je vois que ça arrive derrière, c'est cool. Donc là, ça n'est pas fonctionnel. Ok, parfait. Je me rappelais pas qu'il était aussi bien animé. Bon, on reboot l'IA, comme d'habitude. On prépare le matériel manipulateur qui est l'objet de base, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu. Avec le fameux Excavation Mode, voilà. Qui est juste, en fait, une autre petite sprite. On va rendre le téléporteur fonctionnel. Et on va aller vérifier donc dans le coffre du vaisseau, parce que vous voyez que la porte là est toujours fermée, ce que nous avons de préparé. Hop, on a donc une arme, hop, deux armes, je vais mettre le pistolet là, la carabine ici, la torche à côté du pistolet, merci. Crafting table, oui je sais qu'il faut que j'en fasse une, merci. Hop, je commence à connaître le jeu depuis. Alors vous pouvez voir aussi donc que tout ça, eh ben malheureusement, enfin heureusement maintenant, justement, c'est triable. Il y a donc le coffre pour le bordel, les blocs et aussi les meubles maintenant. Voilà. Donc ce qui fait un coffre ressources en fait, littéralement. C'est parti. Bon, ça fait du bien de retourner sur Starbound, je dois l'avouer. Le serveur va être mis en pause, hein, je vous rassure, le temps qu'il fasse les mises à jour sur OMG Serve. Ouais, il y a des escargots, donc une des nouvelles... chose de cette mise à jour, excusez-moi, c'est qu'elle est un peu plus vivante. C'est toujours agréable. J'ai que de voir si je peux les ramasser. Hop, un petit peu de bois. Je ne peux pas les ramasser, est-ce que je peux leur tirer dessus? Je peux leur tirer dessus, mais ils n'offrent rien. Alors oui, aussi une autre mise à jour, les balles vont beaucoup plus vite. Donc c'est agréable, je dois l'avouer. On a beaucoup plus de... alors par exemple ça, vous voyez, je vais le prendre. Hop. Donc il y aura beaucoup plus de structure dans le jeu déjà en soi. Les monstres vont être beaucoup plus intelligents aussi. Hop, enfin bon, tout ça vous le verrez. Oui, je sais que je devrais utiliser une eau, mais bon, malheureusement, j'en ai pas encore. Toujours à la recherche de plus de bois, chers amis.
c'est capital. Bon, on a pas trouvé des masses là. J 13, bah non, je les ai pas vu venir. Oh, petite animation. Comme s'il les analysait, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Niveau du craft, vous voyez, donc du coup j'en ai fait apparaître deux. Donc on a là une verte, pardon, pour l'inventory screen. Et une bleue pour le truc de craft. Ah oui, maintenant on peut utiliser donc, oui, bah, des bouts de bois comme ça. Cependant, on n'est pas ici pour du bout de bois, on est ici pour une wooden crafting table. Il nous faut des planches. Planches, donc 6 x 5, 35. Donc il nous en faut 6. Ah bon, 6 x 5. Ah oui, non, 30. Oh là là, oh la honte. Oh la honte, chers amis. J'ai. Bon, bah c'est pas grave. Genre, je vais me taper la honte. Pourtant, je suis bon en maths, mais c'est triste. Bon, alors ça c'est fait. Alors maintenant, il nous demande de trouver des bandages, normalement. Le Big Bang. Oula. Joli. Oh, joli. Voilà, merci de bien vouloir mourir. Alors, un petit peu de riz. Oh. Ça aussi, ça va être beaucoup plus réaliste, normalement. Donc, apparemment, dans cette tombe, il y avait un coffre. Iron chest. Intéressant. Alors, normalement, maintenant aussi, si je prends par exemple l'objet inspect. Merci. Oh, je suis mauvais. Voilà, parfait. Parfait, un petit peu d'argent. Il ne semble pas plus vilain que ça en fait. Ah, ça fait du bien de retourner sur Starbound, je l'avoue. Ça commençait à faire extrêmement longtemps. Une souris. Hop, d'autres vignes, parfait. Un petit peu de charbon, donc on va s'empresser de le prendre, pardon. Donc ça a un peu chamboulé mon timing, bon bah écoutez, c'est comme ça. Maintenant, tant que ce qui passe sur la chaîne vous plaît, moi, ça me suffit. Je fais ça pour vous principalement. Bon, c'est un petit peu pour moi quelque part, mais c'est principalement pour vous en fait. Parce que bon, j'aime quand même jouer au jeu que je joue, hein, faut le dire. Je prendrai pas de jeu sur lequel je n'ai pas envie d'y jouer en fait. Hop, parfait. Et la nuit tombe déjà. C'est une grenouille? C'est une grenouille. Génial. Et une habitation. Mais c'est qu'ils ne font pas les choses à moitié. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? D'autres vignes. Parfait. Allons les chercher. Bon, celle-là, je l'aurai pas en entier, mais écoutez, c'est pas bien grave en soi. Hop. Non, ne vous inquiétez pas, madame, je viens en paix. Vous avez vu, il a eu peur quand je l'ai menacé d'une arme. Ça, c'était pas beau. Des pixels, permettez que je vous les prenne. Calmez-vous. Je dors chez vous aussi pour régène. Pourquoi il a peur comme ça? Hop. Le pot de chambre, bien sûr. Alors, bonjour. Ok, donc il n'y a pas plus causant que ça. Bah écoute, c'est pas grave. Donc ces plantations. Alors oui, les plantations ont besoin d'être irriguées maintenant, chers amis. Ça va vraiment être génial. Cette mise à jour, elle va vraiment être géniale.
J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît à moi. Oh! Heureusement que c'est censé être Black Pants. Hein. Mais bon, c'est pas trop mal. Est-ce que ça veut dire aussi, du coup, que mes fringues actuelles me donnent des... Ah d'accord, elles me donnent des améliorations. C'est intéressant. Je n'avais pas percuté. Mais c'est intéressant. Bonjour madame. Oui, je suis fait de pure énergie. Merci de t'en soucier. Oh, du copper. Intéressant. Alors, continuons. Un lapin. Oh, génial. Mais c'est rien. Mais c'est des détails. Mais c'est génial. Oh. Oui, toi, je te sentais pas. Justement, on parlait d'un lapin. Aïe. Bien joué. Voilà, t'es mort. Oh, un sac de couchage. Seriously? Alors, seulement avant... Je vais me faire un bandage pour avancer dans la quête. Et donc nous avons tutoriel 4, Foot Fight. Il va me falloir un arc. Ça par contre, chers amis, je vais le prendre. Hein. Les deux, je vais les prendre. Le feu comme le truc. Excellent, excellent. Putain, j'adore ce jeu. Ça fait du bien d'y retourner en fait. Je commençais à être vraiment déçu parce que c'était vraiment monotone à la fin de la dernière série. Mais là, oui, non, là, ça fait vraiment plaisir. Des patates. Un coffre. Wouhou! C'est le début de la vie, chers amis. Alors, une super épée de la mort qui tue. Si ça, c'est pas de la moule. Et un super coffre, en plus. Weapon chest. Excellent. Oh, génial. On a beaucoup de chance sur ce début de partie. Enfin, je pense. Il y a des poissons, donc normalement il y aura la pêche. Hein. Bon, je vais quand même reprendre mon flingue. Pourquoi il y a une tête de mort sur celle-là? Non! Ah, je me suis trompé de bouton! Ah bah tiens, ça me permet de voir un truc. Normalement, ça on le verra juste dans 5 secondes, chers amis. En faisant ça, est-ce que j'ai de quoi me faire un arc? Paquet de dirt, il y a plein d'objets. Au niveau des armures, j'ai rien, mais sur au niveau de l'arc... Je ne peux pas en faire parce qu'il me faut plus de wood plank. Donc 6 x 5 cette fois-ci. Ne nous trompons pas. Voilà. Parfait. Donc on a notre arc. On a notre arc. Et vous voyez, on peut tout trier. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Parfait. Au niveau de tout ça, on n'aura besoin de rien d'autre. Climbing ropes, on verra plus tard. Normalement, si je fais ça, je retombe au même endroit. Croisons les doigts. Eh ben non. Pounette by the game. Ouais, je m'en doutais que t'allais pas être sympathique, toi. Bouffe mon épée. Bouffe mon épée. Voilà. T'apprendras. Respecter mon autorité. Tiens. Oh la vache. C'est beaucoup plus dynamique, j'ai l'impression. Même les monstres sont beaucoup plus rapides. Ah ah. J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû m'y attendre. Paquet de dirt. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Ah ah. Non. Et heureusement, il y a 5 secondes, je dis que je ne prendrai pas de climbing rope trop tôt. Voilà. Oui, je sais, c'est moche de faire ça en début de partie. Croyez-moi, ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous. Hop. Un petit peu de pierre, ça pourrait être intéressant de la prendre. Oh là, non, on se calme, mon bon ami. Ah, mais il est violent, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un petit peu de charbon. Rien de bien intéressant. Pour le moment, en tout cas. Couché. Oula, ça pète, ça, non? Tiens, je l'avais dit. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a eau. Ah putain, j'en avais une. Non. Ah, ce jeu, je l'aime. Je l'aime tellement.
Hop, parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une grotte en pierre, ça pourrait mener à quelque chose, mais non. Un lapin. Ah, ce jeu est génial. Un oiseau, non mais... Des bombes de Mario. Un arbre. Merci. Épique. Une tortue. Je la veux. Ah, je suis sûr qu'avec le truc, on peut la récupérer. Ah. Il y a eu comme un lag. Oh, un coffre. Donc, cette fois, on se trompe pas. Intéressant. Je vais quand même prendre le coffre, ne soyons pas trop fous non plus. Ça fait du bien d'y revenir, chers amis. Beaucoup de bien. On va quand même penser à prendre l'arc maintenant. Juste pour voir. J'ai vu des lapins tout à l'heure. Je suis curieux. Désolé. Non. Ça ne doit pas marcher, j'imagine. Ça aurait été un peu trop fort. Un peu trop facile aussi de trouver de l'argent, du coup de la bouffe. Oh, raté. Ok, donc du cuir, c'est pas ce que je cherchais. Mais comme d'habitude dans le jeu, quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Oh, joli. Oh! Ok, je l'ai eu. Et j'ai eu un steak, parfait. Alors, normalement, d'ici, j'ai de quoi le griller. C'est génial, cet inventaire amélioré. Ok. On récupère ça, parfait. Ici, on a donc une nouvelle quête, la cinquième. Stone Furnace, pourquoi pas. Donc, il va nous falloir de la pierre. Comme d'habitude, vous savez, je vais prendre celle qui est au deuxième plan, qui est donc cachée. Hop. Voilà. La canne à sucre, ça, non? Non, je me trompe peut-être. Comme ça, ça laisse un petit peu le terrain intact. Tel qu'il est censé l'être. Hop. Faut quand même se faire un petit peu plus de steak, hein. Aïe. Olé. On l'a eu. Oh, bonjour. Bonjour, voyageur. Hey fellow traveler, if you need any tips on getting by, feel free. Ouais d'accord, il me donne quelques conseils en fait, c'est cool. Oula non, je te pique ta tente, je suis désolé l'ami. Par contre je vais te piquer tes affaires, oula non. Wow, c'est quoi ça? Traveler's Meter. Intéressant. Plus une bonne crotte. Grotte, pardon. Aïe. Allez, meurs. Meurs, meurs, te dis-je. Bla. Voilà. Problème de mort résolu. Encore
encore quelques pixels, quelques objets. Ça je prends. Ça je prends. Ça je prends. Là, il y a un monstre droit devant. Si je fais ça, il vient. Si je fais ça, il vient. Waouh ! Il m'a lancé un Kamehameha, quoi, le machin. Un petit peu de régène. Mes bandages. J'ai cru de savoir ce que c'est, ça. C'est décoratif, mais c'est vert quand même. C'est assez particulier malgré tout. Mes bandages, ils sont où? Là. Hop. Hop, voilà, on reprend ça. Ah, ça fait du bien. Je sais que je n'arrête pas de le dire, chers amis. Je m'en rends compte, n'inquiétez pas. Je n'ai pas Alzheimer. Pas encore. Aïe. Meurs. Hop. T'apprendras, tiens. Ah la vache, le cac est devenu vachement dur. Hop. Eh oui, parce que je vais t'enlever ça. Ouah, non, pas de Kamehameha. Oh la vache, ils font vachement mal. Tentative. Raté. Je voulais pas le finir au pistolet à la base, mais j'ai mis clic. Enfin, mis tap, j'imagine. Hop. Parfait, toujours un peu plus d'or. Enfin, de or, de minerai donc. Que je ne vous perde pas, chers amis. Pour les plus récents et les plus néophytes d'entre vous, donc dans l'univers de Starbound, qui est quand même un excellent jeu en. En early access. J'ai dit plus excellent jeu. Je sais plus. Bon. Toujours un peu plus de santé. Et je pense qu'on va pas tarder à mettre fin à l'épisode. Je pense, chers amis, qu'on va remonter, qu'on va sortir et qu'on va mettre fin à l'épisode. Waouh. Ça fait du bien d'y revenir. De toute façon, je vais en enchaîner avec un deuxième, moi. Comme ça, j'aurais récupéré. J'aurais même enchaîné avec un troisième, pour être tout à fait franc avec vous. C'est ce que je vais faire, je pense. Oula. Salut les mecs. Tiens, bouffe. Bah alors, ça vous pose un problème? Vous voulez pas venir vous la mettre? Oh, c'est cool, j'aurai des crêtes pour mon vaisseau. Ce qui va être plus qu'intéressant. Donc là, c'est un cul-de-sac. Donc oui, je ne vais pas trop creuser dans la mine. Pour ceux qui se posent la question. Je pourrais, hein. Là n'est pas le problème. Oula. Hey l'ami. Tu aimes ça manger des patates? Ok. Alors. Bien joué, t'as réussi à me frapper. Bien joué, bien joué. Ok, ça continue quand même. Ok, bon. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu.
Alors, on a encore un petit peu de viande, donc ça c'est parfait. Je sais pas s'il accepte qu'on cuise le riz comme ça. Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon. Esquive. Double esquive. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ça continue. C'est ce que je voulais vérifier avant tout. Si ça continuait par là ou pas. Donc. Oula. Voilà. C'est l'heure du combat. Ou comme dirait un des derniers commentaires que j'ai reçus, c'est l'heure du duel. Donc voilà, je lis tes commentaires. Je lis vos commentaires, public. Mes très chers viewers, il y en a encore qui me demandent de faire une vidéo sans dire mes chers amis ou mes chers viewers. Mais bon, je ne pense pas que ça soit possible. D'accord. On trouve encore de nouvelles choses. Intéressant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Encore une petite bombe, c'est cool. Par contre, là, je pense qu'on sort de la mine. Ah non, toujours pas. Mais elle est gigantesque. Ah, j'ai été touché. Bien joué. Bien joué, bien joué. Voilà, donc la mine est finie normalement. Bon. Génial. Bon, bah, on remonte alors. Alors. Non, là c'était un cul-de-sac. Je m'en rappelle. Faut le temps que ça revienne, chers amis, hein. N'inquiétez pas. Petite question. Non, d'accord. Parfait. Ouh, j'avais oublié celle-là. Hop. Ça nous fait déjà quelques pixels sympathiques, hein. Vous allez voir qu'ils vont être beaucoup plus utiles dans cette mise à jour. Parfait. On a fini par en ressortir, mais est-ce qu'on est ressorti là? Oui, on a ressorti, où est-ce qu'on était? Les mains en l'air, ouais, pourquoi pas. Non, mais j'ai pas de bouffée. Bonjour. Bon, le système de peur, à mon avis, doit être un peu plus poussé, je pense. C'est pas mal, ça rend les choses beaucoup plus vivantes, mais... Bon, pour peu que tu te fasses une connerie, que t'arrives dans une ville avec l'arme au poing... ça passe mal, quoi. Bon. Désolé le lapin. Je suis désolé. Oui. Encore un coffre. Ça en fait des cimetières. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Toute façon, il n'y a pas grand-chose dedans. Rien de bien utile. Hop. Par contre, on va pouvoir faire du pain. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouvera? D'huile, parfait. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Une espèce de tour donjon. Intéressant. Aïe. Non mais oh. Alors, est-ce qu'il y a moyen de grimper dedans sans utiliser de corde? Apparemment non. Si je prenais ces rochers, faisons quelque chose d'assez RP malgré tout, chers amis. Je prends ces rochers.
Je les pose là. Oh, puis c'est des rochers qui... Ah, c'est intéressant. Parce que si je reprends celui-là, et que je le pose là, ça va faire un tas. Hop là. Il me faudrait un tas supplémentaire, sauf si je passe là. Parfait. Oh oh, tout ce talent, chers amis. Tout ça pour 15 pixels et un coffre. Ah là là. Excellent. Excellent. Les joies de Starband et de ses récompenses. Bon allez, dépêchons-nous de faire le tour. Et retournons sur notre vaisseau. Sinon on aura vraiment du boulot. Alors. La petite crotte. Ce serait bien là où on était la dernière fois. Quand on s'est tapé dessus. Hop. Bon, un petit peu de bouffe. Rien de bien folichon. Je vérifie quand même autour, mais... C'est vraiment par souci du détail, je dirais. J'avais enlevé les notifications, pourtant. Ouais, c'est bon. On a fait le tour, je me rappelle de ça. Bon, remontons sur notre vaisseau. Et chers amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Moi, je vous tiendrai au courant vis-à-vis du serveur quand il sera mis à jour. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, chers amis. Malheureusement, je verrai, mais ce sera possible que je refasse un nouvel univers. Que dire de plus? J'espère que cette série vous intéresse, vous plaît. En tout cas, moi, elle m'a bien surpris ce matin. Donc, je vais tourner encore quelques épisodes et puis je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom.